Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dungeon Rushers. Donc nous allons prendre la nouvelle tour, hein, le nouveau donjon, trouver le trésor, aucune potion, aucun piège, aucun KKKKKO. C'est parti. Ok, piège, dépêchez-vous de piller le trésor avant que quelqu'un ne s'en charge pour vous. Petit coup de pouce, c'est en bas à droite, en bas, droite, bas, puis tout à droite, bas. C'est un vieux piège. Tu veux bien te bouffer du poison? Ça sert à quoi que j'ai une arme comme ça sinon? Hop. Droite. Bas. Et tout à droite. Piège! Tiens donc. Étonnant. Combat, étonnant. Je me rappelle déjà plus des défis bonus, hein. Soyons honnêtes, hein. Et de 1. Ah bon, bah t'arrives un peu tard, l'ami. Mais bon, pourquoi pas. Allons-y. C'était pas si efficace, finalement. Bon, ça va, je survis au aucun chaos, déjà, c'est déjà une bonne chose. D'accord, tu pourras pas l'achever quoi qu'il arrive. Va vraiment falloir qu'on augmente tes dégâts, le nain. Hop là, ça c'est fait. Ok, c'est bon. Celui-là, il est fait. Enfin, le trésor est à nous. Excusez-moi, mais je supputerai qu'il y a errorisme. Ce trésorissime est à ma personnalité. Personnité, pardon. Eh ben, c'est qui celui-là? Je me nomme moi Pod, je suis ménestrel de mon étatitude. Chasseur de trésors T et séducteuriste de ces dames. Et je vous annonce soit que ce trésor est à moi. Et en quel honneur? En l'honneur du respect des plus profondes traditionnalités, de l'aventurisme et de l'héroïsme. Je l'ai vu le premier. Mais il se moque de qui, le blondinet? On t'a pas vu de tout le donjon. Mais le dejeunisme n'est pas que pour les gueux comme vous. N'est que pour les gueux comme vous. Pour ma part, je passate par la porte de derrière. Quoi, mais c'est de la triche. Il en saura ce que j'en chanterai. Sur ces bonnettes paroles, je vous l'assois. Je vous l'assois, pardon. Pod tente de partir avec le trésor sous le coude. Où crois-tu aller, sale voleur? Thorgrim assomme Pod d'un coup de marteau. Du calme, Thorgrim. Il l'a mérité. Arrête, il pourrait nous être utile. Et à quoi, au juste? J'ai ma petite idée. Ouais, vu qu'on a les trois défis, mais c'est nul. Ah, on a récupéré un personnage. Cool. Et du coup, on va pouvoir lui mettre des trucs. Ce qu'il dit comme ça était complètement dégueulasse. Mutismatique, de haute de mutismatique. Haute de mutismatique retire également une amélioration active à chaque ennemi. Réduit le... D'accord. Mélopée stridente. Ça me semble intéressant, ça, par contre. Mais il a du soin, non? Non, je sais pas, je regarde s'il avait du soin, mais... Bon, on va attendre de le voir en équipe, pour, enfin, dans le donjon, pour voir si ça vaut le coup ou pas. On va retourner faire ce donjon-là, chers amis, pour voir si, tout simplement, nous avons un peu plus de chance cette fois-ci. Combat ici, forcément, logique. Allons-y. Je vais bourrer, hein, parce que je sais toujours pas ce qu'il faut que je fasse, techniquement. Ok, c'est bon. C'est passé, comme on dit. Ouh. Un événement, surprise. Des ennemis, un ennemi. Il va me faire mal encore. Boule de feu. Ah, c'est pas sur moi, cela dit. Boum. C'est bon. Ça passe plutôt bien. Ici, il y a un combat. Non, non, c'est pas là. Non, là, par contre, il va peut-être y avoir un event. Non. Et en haut, peut-être. Ça serait cool. Non plus. Merci, c'est pas grave. Allez tous vous faire foutre. Lui, par contre, il oublie jamais d'être là. Hein. On le bouffe. Là, il y a un ennemi.
Ça aurait été rapide. One shot, j'avais oublié celui-là que je one-shotais. En haut, il y a un événement. Gain de force, c'est cool. Ça me permet de taper plus fort. Donc pour peu que je tape au premier tour, ça va être vraiment génial. Malédiction, brise armure, génial. Ça fait plus d'armure en moins. Enfin, plus longtemps, je pense, plutôt. Ça fait plus d'armure en moins. Débile, ça comme phrase, Marcus. Ça fait moins d'armure plus longtemps, on va dire ça comme ça. Des monstres, berceuse, chance infligée, de sauver aux ennemis avant un combat. Non, ça m'intéresse pas, je vais taper. Je veux taper! Taper! Aïe, ça fait mal. Oh, il fait des dégâts transperçants. Non, c'est pas des dégâts transperçants? Non, bah apparemment non. Bizarre, étrange, bazar, bizarre, et je dis bizarre, comme c'est bizarre. C'est bon, j'ai le niveau 3. On ouvre, on pille, trésor déjà ouvert, je m'en fous, c'est pour le... La forme, comme on dit. Voilà. Shop, merci. Qu'est-ce que tu as? À part de la barbac. Utile pour l'artisanat. Ah, je pourrais peut-être l'équiper le... Bouclier en os, ça peut être sympa ça aussi. Je prends ça. Je vais en équiper... Alors, oui, non, ça c'est bon. Je vais en équiper notre ami. Si je peux y aller avec coup de... Ok. Il est équipé, c'est bon. En termes de l'autre ami. Voilà, j'ai ça à t'équiper, toi ça t'intéresserait sans doute. Ah, il a moins d'armure si je lui mets ça. Ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Par contre, il a plus d'attaque. Magique. Bon, on va partir comme ça, c'est un début. La suite, chers amis. Continuons, continuons, continuons. 30 d'or et 3 objets, toujours. Je sais pas à quoi sert le mode héroïque. J'ai oublié de mettre les points parce que, oui, je l'ai pas vraiment testé. Laissez-moi vous annoncer que je désapprouvasse vos méthodes de thé. Il m'énerve à parler comme ça. Son moulon est lourdon-le contre un arbre. Barbare! On ne l'abandonnera pas. Pod, tu es Ménestrel, c'est ça? Si j'ai toi, Ménestrel, mais je me gosse ça, adore au chef. Tu t'adresses soit au plus grand ici, Ménestrel Mantroubadour, de toute la ferme. Alors, en quoi tu peux nous être utile? Méchant Ragaillardis, le plus pleutre des hommes, et foudroie les ennemis des bonnes mœurs. D'accord, ok. Parfait, alors c'est réglé, tu nous accompagnes. Ensemble, nous pillerons des places encore plus dangereuses et amasserons les trésors comme s'il en pleuvait. C'est d'accord, et ainsi se rencontrèrent et s'apprécièrent les héros qui jurèrent de sauver la mondanité pour la veuveté et l'orphelinois. Par tous les confrères contenteront nos exploitismes. Allez, laisse-moi la sauver. Mais quoi encore? Vous avez dit que je les approuvasse, vos méthodes de thé? Oui, tu nous l'as déjà dit. Un piège, trancheuse, coupe. 5 de dégâts, non merci, j'ai pas vu du tout les bonus qu'il fallait, mais c'est pas grave. Oh, bénédiction. Régénération. Si j'avais su, eh ben, j'aurais laissé le piège fonctionner. D'accord. Mage squelette, Gaios, d'accord, ok, pourquoi pas. Alors, allons-y. Rien que je ne puisse tuer d'un coup. Ah bon, je peux plus... Merci, voilà. 13. Coup critique, génial. On a du bol. Boum, boum. Ça c'est pour le silence, ça c'est des dégâts. Oh, vas-y. Boum. Il fait mal finalement. Ok. Merci. J'ai récupéré un os et un autre sceptre. Un autre combat, pourquoi pas. Mage squelette, d'accord. J'espère qu'il attaque juste pas en premier, ce serait cool. Merci. Hop. Et boum. C'est bon, il est mouru. La suite, d'accord. Faiblesse, dommage. Donc j'imagine qu'on perd des dégâts, c'est ça? Qu'on prendra plus de dégâts? Tiens, c'est pas le même chemin. Oh, pourquoi pas? J'ai pas du tout regardé les bonus comme un con, moi, c'est ça qui est débile. Boum. Aïe. Boum. Parfait. Ok, c'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Continuons. Oh, des pièges encore. Je peux pas l'utiliser, donc bah écoutez, on va se bouffer le piège. Merci.
Ça fait mal de vivre avec toi. Et j'ai mal et tu ne t'imagines même pas. Ah merde! Ça c'est bon ça. Ah oh, mais lâchez-moi les basques, lâchez-moi. Ça fait mal quoi qu'il arrive. Boum! Ah, pas de coup critique, j'aurais bien aimé pourtant. Je vais mourir. Buvons un coup. Buvons un coup. Bon, c'est bon. Ok, j'espère qu'il fallait bien utiliser, ne pas utiliser de potion. Parce que pour l'instant, je suis à zéro. Hein. Zéro, zéro, que dalle, nada. Furie! Bon, parfait. Merci. Il est balé ce donjon, cela dit. Oh, un coffre. Butin, cool. Cool, cool, cool. Ça fait du bien par où ça... Oh la vache, ils sont nombreux. Ah, en plus, ils vont m'attaquer de bonne heure. Donc le mieux, ce serait que j'assomme ce mec. Attends, je peux commencer à faire un kill, là, donc je le fais. Avec un peu de chance... Oui, il l'achève. Allons-y. Boum! Poison! Ça te fait rien? D'accord, c'est pas grave. Boum! C'est bon. Je sais pas du tout quels sont les bonus. Défi bonus. D'accord. Non, pas maintenant. Ah bah c'est bon, je les ai eus. J'ai fallu découvrir toute la map. Piller et sortir. Tuer tous les monstres. Inspecter tous les éléments. Donjon 100% dévoilé. Oh, il y a une garde d'épée que je n'ai pas. Du coup, j'imagine que c'est pour de l'artisanat. Dorgrim! Mais que fais-tu donc ici? Artisan. D'accord. Ah, salut mon ami. Vous connaissez? Bien sûr, Thorgrim a longtemps été le trésorier de notre guilde. Guilde? Oui, je fais partie de la glorieuse guilde des artisans. Nous fabriquons divers objets pour les aventuriers en tout genre. Ah, mais c'est super! Thorgrim peut donc nous faire des équipements de tueurs. Oula, du calme, forcément je suis un nain, donc tu t'imagines immédiatement que je suis doué en artisanat. Je ne voulais pas t'offenser, ça aurait pourtant été pratique si tu étais capable de nous fabriquer des équipements. Bien sûr que j'en suis capable, je n'ai juste rien à fabriquer depuis longtemps. En plus, je n'ai ni l'atelier ni le matériel pour. Ah, mais mon bon Thorgrim, suis-moi, je vais te montrer notre nouveau repère. Avec un peu d'entraînement, tu pourras fabriquer tout ce que tu souhaites. Cool. Ouh. Ouh. Qu'est-ce que voulez-vous que je fabrique? C'est Thorgrim, ça, devant? C'est intéressant, tout ça. Tout ce que je peux fabriquer, c'est ça, non? Non, même pas. Pas me balader dans ce menu, d'accord. Je peux pas me balader dans le menu, c'est très étrange. D'accord, il nous manque quelque chose. Donc si je vais là, d'accord. Cuivre, d'accord. Ok, c'est des ressources. Niveau 3 requis, d'accord. Ok, je commence à capter. Voici tout ce que je peux fabriquer à l'heure actuelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Croix de loup, d'accord. Plus 1, donc ça c'est qu'une dague en fer, ça m'intéresse pas. Plus 2, moins 4%, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'en fer? J'en ai... Je peux en fabriquer que 2. C'est quoi ça? Petit cordon. Plus 2 d'énergie, c'est ça intéressant. Plus 2 mana, ça peut être intéressant aussi. Fabriquer ça pour commencer. Merci. Ensuite, j'aimerais fabriquer ceci. Mais je sais pas si je pourrais fabriquer ça derrière. Non. Fabriquer ça. Menuisier. D'accord. Ça, je l'ai fabriqué, on a déjà dit. Hein. D'accord. Fabriquer ça. Voilà. Crac, c'est un bon départ, je pense. Nous allons équiper tout ça. Vous voyez, ça n'augmente, ça fait qu'augmenter mes trucs, sauf mon armure. Armure que je vais peut-être... Ah, par contre, j'aimerais bien que... Voilà, le menu se...
Voilà. Ça rapporte un point de vie en plus, donc pas d'armure finalement. Donc ça c'est verrouillé parce que je ne peux pas le porter. Parce que le machin est un truc à deux mains. Mais ça veut dire que j'en ai quand même deux de disponibles pour ces dames. Par contre j'aimerais bien que... Voilà. Ok. Est-ce que l'épée sera mieux pour toi? T'apporteras plus de défense. Vu que tu es un tank, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Ok. Et normalement j'ai construit autre chose. Mais je ne le vois plus. Je croyais avoir construit trois trucs, mais... Peut-être dans ma tête. Ok, toi du coup. Bonus de magie, bonus de mana, d'accord. Bonus d'endurance, pourquoi pas. Non, c'est ça qu'il va me falloir, moi. Mélopée stridente, plus 1. Voilà. Je vais commencer par en mettre 2 ici. Pour l'instant, j'ai pas visé le côté... Mais merde, tu vois bien. Voilà, merci. Crac. J'ai pas visé le côté un petit peu, vous savez, RPG. J'ai pas envie de commencer trop là-dedans. J'ai envie d'abord voir ce qu'on peut faire en bourrant, voir si le jeu est vraiment tactique ou pas. Intéressant, j'ai des montures, enfin des selles. Épée en fer, d'accord, intéressant. Os magique, pourquoi pas. D'accord, bon, on verra ça de toute façon une autre fois. Nous sommes tout bons, hein, tout est fait complètement depuis le début, donc ça c'est cool. Bah on est bon. Ah non, j'aimerais revoir un petit truc. Voilà. J'ai envie de voir si ça passe. On va passer sur un donjon très très simple. Celui-ci. Allons-y. C'est celui qu'on a refait et refait et refait. J'ai envie de voir ce que ça donne. Là, ça a changé l'image. C'est rigolo. Ok. Fais péter. Voilà. Vu que j'ai réduit sa défense, je pense que c'est une bonne idée. Ça lui prend de la mana en plus. Ça potentiellement lui prend de la mana, c'est cool. Ok. Ça a l'air assez efficace. Comme groupe, si je puis dire. Ça me semble pas trop mal, si c'est efficace. Après tout, on va pas s'embêter. Un petit truc? Non, rien du tout à me donner? Là non plus? Ah, là il y a quelque chose. Événement. Surprise! Fais chier! Oh, un arbalétrier qui attaque en premier. Génial! Donc des dégâts obligatoires. Génial. Boum! Voilà. Problème résolu, chers amis. Crac. Piège! Oh, bah alors là, je suis étonné. Brise armure. Bah écoute, moins 15% de dégâts physiques. Sur 3 cibles. Bah écoute, on va se bouffer ça. Allez, l'arbalétrier, s'il te plaît, merci. Ça va nous mettre bien des dégâts dans le nez. Aïe. Ça fait mal. Voilà. C'est fait. Oh bah, c'est rigolo jusque là. Franchement, j'aime beaucoup le jeu, là. Fury, ça aurait été bien de l'avoir avant. J'aime beaucoup. C'est pas ce qu'il y a de plus sympa à voir visuellement, peut-être, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, bien sûr, chers amis, comme d'habitude. Votre avis compte énormément. Mais je trouve le jeu vraiment sympa. Et boum! Meurs, charogne. Il fait des dégâts monstrueux. Ah, oh, forcément! Heureusement, on arrive à la fin. Et on a refait le défi bonus, qui est cool. Bon, du coup, on est plutôt bon, là, pour le moment. On est à 19 minutes. Donc, du coup, on va partir dans... Alors, apparemment, il y a un donjon à étage. Ça m'intéresse. Le manoir de l'Osphère. Finir le premier étage, bonus, finir tous les étages. D'accord. Wow, qu'est-ce que c'est cette grande bâtisse? Il s'agit d'un manoir, un gigantesque donjon... Pardon? Un gigantesque donjon à plusieurs étages. Celui qui ose y entrer en sortira riche ou les pieds en avant. Le manque de scrupulité des maîtres de jeunisme ne recule devant rien, si ce n'est le purisme de nos cœurs vaillantés. En avant, fiers compagnons, libérationnons cette place de la traceté du malin. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'il a dit allons-y.
C'est débile. Allons-y, c'est parti. Génération du donjon en cours. Ouh, c'est bon ça. C'est très très bon ça. Bon, cool. Un piège explosif. J'ai pas vu les bonus encore. Bah écoute, je vais faire ça pour le moment. Je vais revenir en arrière. Est-ce qu'il y a des dons? Ah bah oui, je suis con. Je suis complètement con. Il n'y a pas de bonus. Pourtant, en bas à droite, il y a des bonus, non, c'est ça? Non, il n'y en a pas. Bon, bah cool. Ok. Ah, des combats. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Mage squelette. D'accord, donc il attaquera pas en premier, clairement, hein. Puisque c'est moi qui le ferai. Fais chier. Boum! Ah, genre un mec sous un coup critique. Fireball! Ah bah au moins il est pas enflammé, c'est cool. C'est déjà ça. Ça se passe bien, on va dire. C'est que la première salle, on me dirait, ou presque. Oh! Oh, ça pue du cul, ça. Ça pue un peu plus du cul. Par principe. À moins que si je peux en one-shot indirect. Non. Ça c'est fait. Ça va aller, Thorgrim, t'inquiète pas. Hop, boum. Et celui-là. Ah merde, il a survécu. Pas longtemps, mais il a survécu. Il fait un mal fou, Pod, en fait. Hein. Je veux pas dire, mais. Lancier squelette. Bon. J'espère qu'il attaque pas en premier. Non, c'est bon. Boum. Et c'est fini. Parfait. Ok, on récupère plein d'objets, c'est cool. Je vais faire tous les combats de du donjon, ça va être génial. Encore se prendre des dégâts par l'autre trou du cul. Et voilà, il me l'a buté. Fait chier! Et donc, Pod ne gagne plus d'XP du tout. Et je ne peux pas le régène. J'ai bien sûr pas moyen de régène un allié. Non, d'accord. Oh là là, c'est des combats extrêmement durs. Hein. J'aurais peut-être dû miser sur le. Ah bah pas apparemment, je peux pas. Si, si je peux. C'est des combats extrêmement durs. Je le reconnais. Je vais pas tarder à mourir, hein. Clairement là. Hop. Donc là on est mort hein, en partie. Voilà. Ah bah dis donc, c'est d'une difficulté incroyable. Oui je sais, mon équipe a été vaincue. Bon c'est pas grave hein. Peut-être qu'on pourrait aller à l'échoppe. Qu'est-ce que tu as à vendre? Rien du tout. Qu'est-ce que j'ai à vendre? Plein de choses. J'ai un casque en fer en trop que je n'ai pas équipé. Hop, ok, on n'est pas si mal finalement. En termes d'atelier, t'as des choses à fabriquer ou pas? On va prendre la souris, c'est plus simple. Crac. Qu'est-ce que c'est? Gris-gris du novice. Plus 1 magie, moins 1 d'armure, plus 1 d'attaque. Ça pourrait être intéressant. Allez, allons-y. Attendez, il y a des niveaux pour chaque. Ah oui! Ah oui, d'accord. Falloir bien augmenter tous les trucs. Donc farmer aussi incroyablement énormément.
Alors pour ce qui est de la magie, j'en ai pas besoin moi, par contre lui, si. Du coup, il a plus de bouclier. Ah, ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Ok, on y retourne, chers amis. On doit être encore dans les temps là, non? 25 minutes. Oh, on y retourne! Soyons fous! Soyons fous, chers amis, un petit peu. Je m'amuse, je m'amuse, je m'amuse. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose. Arrow saison 4 est disponible sur Netflix. Cool. Cool, cool, cool. Je sais ce que je vais me regarder ce soir. Un piège. Piège mécanique. Brise armure. Vu que t'as le plus d'armure, je te sacrifie. Vas-y, Thorgrim. Ah, mon armure. Un combat. Lancier et arbalétrier. Il faut vraiment que je bute l'arbalétrier le plus vite possible. Et boum, ça c'est fait. Sauf si je peux. Oh, je peux pas. Bon. Oh la vache, et il cible forcément le même mec tout le temps, quoi. C'est dégueulasse. Bon bah écoutez, là je suis obligé de soigner Pod. C'est dégueulasse. Tellement de combats! Ah, mais non, mais tu me saoules! Je te jure que tu me saoules! Et en plus, ça part les coups. Non, mais voilà autre chose. Il me faudrait un soigneur, hein, clairement. Il faudrait un soigneur. Mais j'en ai pas. Que des potions. Événement, surprise, forcément. Je pensais que ça allait être du soin, mais non. Allez, un petit coup critique. Ah, oh, merde. Je veux pas être enflammé. Et merde. Combat? J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. Boom. Boom. Ça fait quoi ça précisément? Ça augmente l'armure. Est-ce que ça augmente véritablement les chances de parade aussi? Ça pourrait être sympa. Parce que bon, l'armure ça change rien face aux dégâts. Tu veux bien mourir s'il te plaît? Merci. Allez, fais pas ta pute. Putain. J'ai pas de chance. Et puis forcément, c'est un mec que je vais pas pouvoir tuer en premier. Et qui me fait pas des dégâts normaux, il me fait des dégâts... Putain. Vas-y, meurs. Voilà. Toujours pas de niveau 3 pour notre héros. Malheureusement. Eh putain, bah là, peut-être y en avoir un, finalement. Hop, allez, vas-y, endors l'ennemi. Alors? Et personne ne dort. Poison! Marche pas. Toi tu meurs. Et toi aussi. Voilà. Bon, j'ai minimisé les dégâts qu'on a pris finalement. Niveau 3 peut-être. Quand est-ce que tu montes niveau 3? Ça m'intéresse. Fais pas ta pute. Endurance. Ouais, j'aurais préféré régénération. Le trésor. Non. Je sais que si je vais au milieu. Je le savais, vous avez remarqué, je le savais à l'avance. Tue personne. Ah, putain. T'es mort. Toi t'es tout seul, donc ça va peut-être être plus facile. Quoi? Sérieusement?
Me refais pas le coup. Alors j'aurais préféré que tu me le refasses, cela dit. Ok, c'est bon. Niveau 3. Oh. Ça permet d'avoir combien de points? Un seul ou deux? Deux. Ça c'est quoi? Oh mon dieu, faiblesse. Faiblesse plus 20%, mais faiblesse c'est quoi? C'est bon, d'accord, je sais pas. Augmente les dégâts de l'âme empoisonnée, ouais, pourquoi pas. J'augmente les dégâts pour l'instant. Mon cher ami, tu es passé niveau 3 aussi. D'accord, ok, cool. Ok. Je te mets les trucs comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai peur de me déplacer. Oh, j'ai exploré tout le donjon. Cool. Cool. Oh, ça m'a fait mal. Merci. On s'en sort plutôt bien, regarde tout l'or qu'on a accumulé. C'est pas trop mal pour un début. Je crois qu'il va être temps de le faire fructif. Fructif quoi? Tu sais, lui faire des petits. Qu'est-ce que tu veux faire l'autre or? Mais non, je te parle d'investissement, de spéculation, de retour sur investissement. Je comprends rien à ce que tu me chantes. Écoute, on achète une vieille ruine, on l'équipe en piège et en monstre et bim, on fond notre propre donjon indépendant. Et pourquoi faire? J'ai des contacts dans l'arène du pays, ils organisent des matchs entre équipes. Chaque équipe doit attaquer le donjon de l'autre et tenter de piller le trésor. Et pourquoi pas, ça peut être intéressant. Crois-moi, on n'aura pas à le regretter. D'accord. Cœur du donjon, 30 trucs, d'accord, ok. Donc du coup, je suis censé faire quoi? Amélioration, d'accord. Donjon de modifier. Oh. Language. French. French. Catégorie. FUD. Bah oui, bah écoute, j'ai pas grand-chose d'autre pour faire du... Donjon des squelettes, tester, sauver. Nanana, donjon libre. Je peux pas changer le nom. Et l'édition. Fermer l'édition. C'est quoi ce trésor? Non. Non, 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 non. Un piège ou une bénédiction. Je peux me répéter, mais je peux pas mettre une bénédiction, un truc dans le genre. Une bénédiction. Le mot de passe. Caput Draconis. Non, je peux pas mettre de. Bon, pas d'accord. Ah, attendez, j'ai réussi à faire un truc. D'accord. Comment je fais pour supprimer? D'accord. Ok, intéressant. C'est débile. Ok. Voilà. Et on va mettre le trésor. Ici, trésor. Non. Ici. Crac. Trésor. Ok. Là, on va mettre un piège. Un piège boule de feu. Je sais pas, piège de flamme, oui. Chaud de vent, parfait. Non, bah non, chaud de vent. Voilà. Là, on va mettre un groupe de monstres. Crac.
Là, on va mettre ça. Un groupe classique. Là, on va mettre un piège. Un piège magique encore, effectivement. Ok. Là, on va mettre... Rien, on va mettre. Ça. Avec ça. Crac. Là, on va mettre... Ça. Et ça. Et là, on va mettre un autre piège brûlure. On va mettre un piège de dégâts explosifs. Ok, d'accord, voilà. Ça me semble pas trop trop mal. Même si c'est fait, j'ai fait beaucoup trop d'allées, finalement. Crac. Encore un piège brûlure, parce que j'aime pas ça. Ok, on va dire que c'est pas trop trop mal. Sauve... Donjon de squelette. Ouais, pourquoi pas. Sauvé. Donjon de... Donjon... Du numéro 2. Non, on va mettre... Playroom... EP2. Voilà. Donjon de Marcus Bonus. On va mettre quand même faire un petit peu de promotion, hein. YouTube Marcus Bonus Playroom. J'ai mis une majuscule appelée. Blablabla. Désolé. Catégorie fun, langage French. Statut travail en cours, pourquoi pas. Ouais. Niveau requis, je dirais 3 à 5, voire même 5 à 7, soyons honnêtes. Chargez une image et puis votre disque, non, d'accord. Plutôt ça. Ok, on va mettre ça comme ça. Et je les partagerai sur Facebook. Ah, c'est quoi ce bordel? D'accord, ça m'a ouvert mon Facebook. Ok, c'est pas grave. Je les partagerai sur le Facebook. Hop, voilà. Bah écoutez. Voilà. Crac, crac, crac. Gna. On va aller voir ça. Comment ça marche? Est-ce que ça a marché? Marcus Bonus. Crac. J'ai partagé un truc dessus normalement. Oh, je te cause. Enfin, un truc, je te cause. Non, tu veux pas me... Si, c'est bon. Ok, cool. Cool. Ok, bon bah ça a l'air d'être plus ou moins passé finalement. Faudra vraiment que j'apprenne à gérer ma page aussi, ce serait pas mal. Donc voilà les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, je rigole. Non. Maintenant qu'il est publié, on va le publier comme ça, voilà. Crac. Cela peut prendre 30 à 60 secondes. D'accord, ok, bon écoute, on va attendre. Non mais maintenant qu'il est publié, chers amis, du coup nous on va se laisser là. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, comment j'en sors. Voilà, confirmé. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut les gens!